Bah, la motivation, c'est qu'on est tous concernés en fait, hein, par l'environnement et puis par nos bords de Marne. C'est important de laisser quelque chose, une planète propre, hein, pour nos enfants et puis pour leurs petits-enfants aussi. Hein. Ce qui nous a motivés, c'est que on est soucieux de notre environnement, soucieux des bords de Marne, de préserver leur intégrité et leur propreté. Bah, c'est un geste pour la planète, c'est très important et en famille, c'est encore meilleur. Voilà, bilan très positif, ça a permis un petit peu aux Samorins de voir les différents types de déchets qu'on pouvait ramasser sur nos bords de Marne. Beaucoup de cigarettes, c'est un petit peu ce qui est ressorti de la part des volontaires. Des bouteilles. Donc une mission très positive qui a permis de travailler avec les services de la ville, notamment le développement durable et la propreté et les espaces verts, mais aussi beaucoup de bénévoles sur toute la boucle de la Marne qui ont permis de faire un nettoyage complet sur les 12 km de voie. Je pense que si on s'y met tous et que vraiment il y a un mouvement de prise de conscience, ça ne coûte rien de venir prendre une matinée. En plus, il fait beau, donc c'est cool. Doucement sur le smoothie. Merci à tous les volontaires d'être venus. Vous êtes venus très très nombreux cette année. Plus de 70 personnes étaient présentes. Quelque chose de très important que les jeunes prennent conscience que nos actions de tous les jours permettent à ce que notre planète puisse durer très longtemps. Bah, quand on pique-nique, on ne jette pas dans l'eau, on ne jette pas ici, on jette dans une poubelle.